Bien. Mes chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, c'est selon. L'honneur est mien ce jour de vous tenir ce propos. Je suis Foutibi Mouleka, promoteur touristique et donc organisateur du Festival de tourisme du Gabon dont la troisième édition se tiendra du 25 au 29 août. Donc, du côté de Cocoa Beach dans quelques jours. Chers compatriotes, c'est en ma qualité de patriote que je vous fais cette note, ce mot, et mon autre pays. Le Gabon, avec ses 800 km de côte, ses 13 parcs nationaux, son écosystème favorable au développement du tourisme, non seulement international, mais surtout local, chers compatriotes, allons-y découvrir la beauté de notre pays. Venez avec nous à Cocoa Beach. Pendant ces 5 jours de séjour, c'est 85 000 francs CFA. La participation, tout frais inclus, hébergement, transport, restauration, sécurité, activités touristiques, voire même culturelles. Chers compatriotes, il est grand temps que vous puissiez nous appeler. La date butoir de paiement était prévue pour demain, donc le 20 août. Mais nous reportons jusqu'au mardi 24. Parce que nous considérons que nous passons tous par des situations financières difficiles. Nous osons espérer que votre patriotisme répondra bien évidemment présent à notre invite. Cocoa Beach est à quelques 120 km de Libreville, oui. L'idée pour nous, c'est que dorénavant, quand vous êtes en week-end, quand vous vous y alliez en famille. Chers compatriotes, merci encore de vous manifester. Je vous prie donc de nous joindre au 07 80 66 14. Je réitère 07 80 66 14 pour ceux qui veulent bien participer à cette troisième édition du Festival de tourisme du Gabon ou au 06 48 58 38. Nous sommes aussi joignables sur Facebook par ONG ITG et promotion du tourisme ou encore par Foutibi Boulanga Mouleka. Je compte sur vous, chers compatriotes. Merci à toutes ces autorités locales du côté de Cocoa Beach qui sont impliquées dans l'organisation de cette troisième édition du Festival de tourisme du Gabon. Merci à Madame la mairesse. Merci à Madame la sénatrice. Merci à toutes ces autres personnalités. Merci même à Monsieur le ministre de la Culture qui, nous savons, nous soutient dans notre initiative.